les gars, ça y est, c'est la rentrée. Personnellement, c'est une semaine que j'adore. Je suis toujours hyper excitée. Là, au moment où je filme, on est le lundi 29 août. Et ce matin, j'ai été faire mes ongles. Voilà. Parce que comme ça, je me suis dit, nouveaux ongles, nouvelle semaine, nouvelle journée. J'ai même mis un de mes tops préférés que j'ai acheté récemment. Donc vraiment, je me sens comme un jour de rentrée scolaire. J'ai mis ma tenue dans laquelle je me sens confiante. J'ai cleané mon bureau. Je suis dans un espace qui est clair, qui me permet de bien réfléchir, de bien travailler. J'ai des objectifs pour cette année scolaire, mais pour moi, vraiment, l'année, elle commence en septembre. C'est pas à janvier. Enfin, c'est complètement différent pour le mood, mais niveau professionnel, en tout cas, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de travailler, de partager mes nouveaux projets, d'avoir un meilleur mindset, de mieux m'organiser. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit que ce serait cool de vous proposer un format un petit peu vlog travail pour vous montrer ce que je fais de mes journées. Et voilà, j'ai hâte de voir ça avec vous. Là, il est déjà 14h, j'ai pas encore mangé, donc petite tartine avocat très cliché et café caramel macchiato encore plus cliché. Mais bon, écoutez, c'est ce que j'aime. Et puis là, aujourd'hui, au programme, il faut aller récupérer les colis, créer du contenu, faire des TikTok, je pense, parce que j'ai reçu certains colis. Je dois aussi envoyer des colis Vinted. J'aimerais enregistrer un podcast. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous en parlerai un peu plus tard dans la journée. Je sais pas si vous utilisez Trello, mais je trouve ça vachement bien pour organiser tous ces projets. Moi, je prends ça vraiment comme mes notes. Et là, du coup, on est lundi, donc j'ai une to-do list qui est comme ça. Je sais pas pourquoi ça saute, sinon je vais vous montrer sur l'ordinateur. Ça fonctionne comme ça. En fait, là, j'ai tous mes tableaux. Ma semaine, Coachella, d'ailleurs, faudrait que je l'enlève. Idée réelle, idée YouTube, opération serrette, podcast. Et là, pour aujourd'hui, bon, ça, je l'ai pas fait, bye. Et il faut que j'en rajoute, là, d'ailleurs, j'ai oublié. Une fois que c'est fait, hop, on archive et bam. Jeudi, je pars en voyage presse pour un concert à Las Vegas. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est un délire, c'est n'importe quoi. Et là, je viens de recevoir les billets d'avion. Comment j'ai hâte! J'ai jamais fait Las Vegas en plus. Bon, allez, let's go. On va chercher les colis. Numéro 1 réceptionné, je vais aller envoyer les deux autres et ensuite je vais passer dans un magasin type Emma ou Sostrengren pour essayer de trouver des carnets, des stylos pour la rentrée parce que j'aime trop ça et je vous ferai un petit haul en rentrant. Let's go. J'ai récupéré deux colis qu'on va ouvrir ensemble tout de suite. Ça c'est Snow Bunny, je suis trop contente, c'est une marque vintage sur Paris qui a une tripe. Et proposé de me faire une petite sélection. Il y a une paire de lunettes, déjà je vais ouvrir ça tout de suite. J'aime bien les branches. Ça fait très 70s quand même. Je crois que j'aime bien mais en fait ça va pas du tout avec le top. Mais cute. Un top en effet jean, grave à la mode en ce moment. Et du coup j'imagine que ça se met comme ça et que ça se resserre là, je crois. Ça va être trop beau. Et derrière, c'est dos nu. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est un top blue marine rose. Il va peut-être être un peu grand. Comme ça. Très beau. Le motif léopard, on adore. Et on a un jean Levi's. Un peu effet cargo, comme ça, là, avec les poches. J'aime trop. C'est le cargo loose straight. Si jamais vous voulez la ref. Et dans le colis, il y avait aussi deux stickers. Je vais direct les mettre sur mon ordi. On va le mettre là. Hop là! Deuxième colis. Là, je sais pas ce que c'est. On est sur un colis Charlotte Tilbury. C'est la nouveauté innovation Glow Toner. Tadam! Il ressemble à ça. Il est censé donner du glow, resserrer les pores, faire un effet peau de bébé. Les produits Charlotte Tilbury, c'est ma marque préférée de make-up, je pense. J'aime beaucoup Rare Beauty aussi. Il y a plein de marques très bien, mais vraiment, Charlotte Tilbury. J'adore. Retour du coup sur mes petits achats de rentrée. J'ai pris ce notebook. Et ce que j'aime bien, c'est que déjà le format il est trop bien. La couleur elle est belle, je voulais en tout cas c'est soft. Et surtout c'est des feuilles avec des lignes pour du texte. Comme ça moi je mettrai mes to-do list du jour et tout ça dessus. Ensuite j'ai pris trois fluos hyper basiques. Parce que j'aime bien stabiloter quand j'ai fini quelque chose. Parce que même si je fais très lourd de temps en temps, j'aime bien écrire ce que j'ai à faire ou ce qui me reste à faire dans une journée. Ça me permet vraiment de visualiser que ça c'est fait. J'ai acheté des adhésifs tape et je les ai achetés pour faire des genres de marque-pages. Vous savez, je coupe un petit bout et je le colle là et comme ça ici ça dépasse. J'ai pris une règle parce qu'à chaque fois je
prend celle de Tess, on a l'impression qu'on n'en a jamais besoin, mais des fois on en a besoin. Et j'ai pris un marqueur rose, pourquoi je ne sais pas, mais pourquoi pas. Et ensuite j'ai pris ce type de stylo, c'est vraiment mes stylos préférés. C'est des stylos billes comme ça, un petit peu encre, vous voyez. Et c'est tout. En fait j'ai pas fait de dinguerie non plus, mais j'avais pas envie d'acheter trop de choses. Je suis dégoûtée parce qu'à côté de Sostren Grain, il y avait la Fnac et je voulais absolument acheter la partie 2 de Les gens heureux lisent et boivent du café. Si vous ne l'avez pas lu, il est incroyable. Je suis super contente cet été d'avoir réussi à lire 2 livres en l'espace de une semaine, alors que je n'en lis même pas 2 dans l'année. Donc j'espère que ça va me motiver à continuer. Franchement, les histoires, elles m'ont trop pris au trip. J'étais à fond dedans, c'était mieux qu'une série. Et j'ai aussi lu Normal People et vous m'avez appris qu'il était en série. Donc je suis en train de le regarder et c'est ouf comme la série, elle est hyper représentative du livre. Il y a vraiment tous les moindres détails, des fois même il y a des phrases dites dans le livre qui sont exactement dites pareilles dans la série. Je suis pas du tout déçue des personnages, enfin bref voilà, juste pour vous inciter peut-être à lire, même si c'est la rentrée et tout, je trouve que ça fait du bien, ça vide la tête. Et si comme moi vous êtes un peu trop accro à votre téléphone, ça fait grave du bien de se poser une heure, même une demi-heure et de lire, c'est trop bien. Vous aimez bien mes nouvelles chaussures de rentrée? On dirait pas là, mais je travaille. Les amis, je suis en train de mettre en ligne mon premier podcast. Parce que je crois que je vous avais pas encore dit, mais du coup, j'ai un podcast, ça y est. Ah, je suis trop contente. Si vous avez envie d'aller écouter des podcasts, n'hésitez pas à aller écouter mon premier épisode. Peut-être même qu'à l'heure où vous regardez cette vidéo, il y en aura eu un deuxième où on va parler de mon célibat qui dure, mais qui dure. Voilà la cover. Et mon podcast, il s'appelle Plus 33 Tissia. Il y aura à la fois des vidéos où vraiment je vais parler à cœur ouvert de sujets dont je ne parle pas forcément souvent ici. Je vais parler d'amour, de sexe, des fois je serai toute seule, des fois je serai avec des invités. Franchement, ça va être trop bien. Et regardez du coup mon matériel de podcast. Non mais je meurs. Trop contente. Là, il est 18h54, je viens de sortir mon podcast, enfin je l'ai annoncé sur Instagram. Je suis trop contente, vos retours sont trop cool. Vous me dites que j'ai une voix à podcast, allez écouter si vous n'avez pas encore écouté. C'est comme ça que mon long célibat dans lequel je suis encore aujourd'hui a commencé. Donc vraiment, pendant environ, je pense, 1 an et demi, 2 ans, je me suis éclatée. Je me suis vraiment découverte dans ma sexualité. Donc j'ai eu plusieurs partenaires. Vraiment, cœur à tous ceux qui ont été écoutés, à tous ceux qui m'ont écrit sur Insta pour me féliciter. Je suis trop contente. Oui! Ça y est, je suis arrivée à Paris, j'ai 30 minutes de marche et j'ai décidé de vraiment les faire à pied parce que le métro ça va 2 minutes, le beurre ça va 2 minutes, let's go. Ça me gêne à chaque fois qu'il y a des gens. Et vous avez vu, j'ai réussi quand même à bien faire mon make-up hein. Pour l'avoir fait dans le train, je trouve que ça va. Bon, je viens d'arriver aux Galeries Lafayette, on a eu quelques petits soucis, mais bon, regardez, il y a qui avec moi? Coucou! Hello! Ah, dis bonjour! Et il y a Emma qui est juste là, qui gère tous les tracas. Bon, je vous explique vite fait le tournage d'aujourd'hui, mais en gros, on doit trouver une tenue complète avec des marques différentes qui sont dispo chez Galeries Lafayette. Et on doit en faire un réel, donc on va filmer tout ça. Et là, on est dans un appartement directement dans les galeries, où en gros, on va pouvoir faire les photos, etc. Puisque cet après-midi, après, il y aura un shoot. Voilà, très stylé. On y va. Ça, j'aime bien aussi. Après, je suis pas fan forcément de l'effet la pailleté. Il va falloir que je me décide, je suis balance, rappelez-vous. Là, on est sur le stand Skims, j'en ai déjà parlé, mais j'aime trop cette marque. J'ai fait une vidéo YouTube d'ailleurs dessus, si vous voulez aller voir, c'est un crash test. Et là, j'ai pris juste une culotte et un top pour mettre en dessous de la tenue que je vais choisir. On a terminé notre matinée, il est 13h45, donc là, ça va manger. Dites-vous qu'on est tous balance dans la team, c'est une galère pour choisir qui va manger quoi. Et les poivrons comme ça là. C'est trop bon.
Bon, moi je viens d'aller faire le shoot. Ensuite, on va faire un shoot à 3. Là pour l'instant, du coup, c'est Miley qui shoot en solo là, avec toute la team derrière. Et regardez comme mon make-up il est trop mignon là, le petit bleu en coin interne. On adore. Regardez, on est matching du make-up. Là, il y a de la création de contenu, mais pur et dur. Ouais. Ça bosse, ça okay. Fait pas semblant. Comment ça va aujourd'hui? Troisième jour. Je pensais pas faire un troisième jour, mais en fait, ce matin, j'ai eu envie d'aller au sport. Et ça n'arrive jamais. Et c'est certainement dû au fait que ce soit la rentrée et que j'ai envie de trouver une once de motivation. Mais là, je vais au sport toute seule. Et je pense qu'il y a en partie cette caméra qui m'a motivée. Parce qu'au début, j'étais en mode... Bon, je vais aller au sport. J'ai la flemme, mais vas-y, je vais y aller. Et après, je me dis... Oh, et je vais vlogger, donc ça va me motiver. Inconsciemment, vous me motivez. Il faut aussi que je passe un coup de fil pour le vétérinaire, parce que Roméo, il a des touffes de poils, on dirait des dreads. Et aussi, il a pissé plusieurs fois sur mon canapé orange, là, mon beau petit canapé, je vais péter mon crâne. Donc, je veux trouver la raison. J'ai peur que ce soit peut-être du stress, ou qu'il se sente pas bien. Et voilà, le pipi de Roméo que j'ai nettoyé, je suis ravie. C'est encore en train de sécher, mais en fait, ça sent... Et voilà ma grande tenue de sportive, petite chaussure. Et on va y aller, j'ai mis une chemise parce que je suis pas très à l'aise de sortir sans rien au-dessus. Mais d'abord, j'appelle pour Roméo parce que là, je fais que décaler son rendez-vous. Donc. Ok, bah super. Merci beaucoup. Voilà, bonne journée. Merci à vous aussi. 1, 2, 3, 4. Écouter de la musique, marcher, il n'y a rien de plus cool en vrai. Je suis en train de le découvrir, je crois. Je suis en train d'écouter Beautiful Things de Kaji Apa et Clara Berry. C'est tellement doux dans les oreilles. Là, je passe un bon moment avec moi-même. Et je vais au sport, vraiment, du jamais vu. Je ne sais pas ce qu'il m'arrive. There's something in this sound that takes me far. It's like a special song. Come move my mood along. She told me at the baseline, and everything will be alright. She told me that the groove is mine, and it will take us through the night. And where I go, can't explain or never know, but it's beautiful. You can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody. Ah, c'est l'heure de manger, j'ai trop faim. Pas du tout mangé depuis ce matin. Ce midi, melon, salade de tomate, mozza, jambon, tartine avocat. Let's go. Elle était drôle ma blague ou pas? Remember skating down the road towards the park. I could never say no. You with that summer glow. The music gives me sun when winter starts. Alors du coup, on a 3 barres de melon, 3 tartines avocat. Je suis dégoûtée, j'avais plus de saumure. Du coup, j'ai mis une sauce mayo shiracha en base et une petite salade de tomate mozza. Et ben écoutez, bon appétit. Il y a un truc que je fais depuis pas très longtemps. Je mange sans regarder mon tel et sans regarder la télé. Au moins la moitié du repas. Ça me permet vraiment déjà de prendre conscience de ce que je mange parce que sinon ton cerveau il capte pas et t'as refaim. Et aussi juste en fait c'est bien de marquer un temps de pause dans sa journée où tu arrêtes ton cerveau, enfin tu le mets 2 secondes sur pause. Donc voilà, j'essaye de faire ça. C'est vraiment trop bon l'avocat. Avant d'aller au bureau, et en fait je pense que je vais travailler la majeure partie du temps là, il faut que je fasse mes stories pour Tinder, genre 5-6 slides, et je dois raconter des anecdotes et vous proposer d'en partager avec moi aussi. Donc bon, on va faire les stories quoi.
Bon, parlons peu, parlons Tinder. Comme vous le savez, depuis plusieurs années maintenant, je suis sur l'application et évidemment, j'ai pas mal d'anecdotes à partager. J'ai trop hâte. Faites-moi pleurer. Ah ! Je sais pas si vous voyez comment on fait du coup les stories quand on doit les envoyer en preview, mais par exemple, là, je viens de faire des stories pour Tinder. Je vais devoir écrire toutes les mentions, tous les hashtags qui sont mentionnés dans le brief que la marque m'a envoyé. Et après, je vais faire des sondages et voilà, ça se passe comme ça en gros. Et après, j'enregistre tout. Je mets sur InShot, je mets toutes les stories les unes après les autres sur InShot et j'envoie à la marque qui devrait me valider pour que je puisse poster demain. Ce système de preview, c'est bien pour les marques, mais c'est un petit peu relou pour nous dans le sens où bah, ça va se voir que c'est préenregistré et c'est pas que je veuille cacher du tout que c'est une collab, parce que de toute façon, je le dis. Mais j'aimerais bien que ça soit que ça suit le fil de ma journée et des fois, bah, du coup, ça bloque. Mais bon, bref, soit. Envoie des previews pour Tinder, check. Il faut vraiment que je filme le plan pour le réel, donc je check et je pense que c'est pas mal, donc on va filmer ça. Let's go! Franchement, j'ai l'impression de courir partout et du coup, j'oublie de filmer, donc je fais plein de trucs et en fait, je les filme pas. Ne pensez pas que je fais rien. Et j'ai fait mon réel d'ailleurs, du coup, j'ai ces nouvelles lunettes. Elles sont plutôt très sympathiques. Je sais très bien à qui vous pensez. Je parle toute seule. Souvent, on voulait pas. Sur les dernières images de ce vlog puisque je vais commencer à entamer mon deuxième épisode de podcast que je vais enregistrer là maintenant. Je suis vraiment équipée, ça va parler du célibat, donc si vous avez envie d'en savoir plus sur mon célibat et sur ce que je pense du célibat en général, n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos. Vraiment, le fait de faire des podcasts, ça me détend, et si vous voyez de la fumée, c'est parce que je viens d'allumer de l'encens, voilà tout. Ça sent trop bon, vraiment, je me mets dans une énergie de tu vas kiffer ton moment, là, c'est pour toi, tu te détends, tu parles à ton micro, j'ai la voix hyper calme, je suis détendue, je suis au max. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, ce format un petit peu avec moi comme ça pendant le taf et pendant cette rentrée. J'espère que vous passez une bonne rentrée et que vous allez tout déchirer pour cette année scolaire, que vous soyez en études, dans le taf ou en train d'entreprendre un nouveau projet. Et sur ce, moi, je vais aller parler du célibat à tous ceux qui veulent bien entendre ce que j'ai à dire. Et je vous dis à bientôt dans un nouveau vlog, une nouvelle vidéo. Bisous! Et ouais, réellement, je l'ai pas aimé, on peut pas dire ça. Mais moi, j'ai un gros problème, c'est que je ne sais pas quitter quelqu'un. C'est-à-dire que les trois fois, j'ai eu à le faire et les trois fois, j'ai retardé pendant des mois et des mois. Je crois même que le dernier en date, quand je me suis mis avec, je savais très bien que c'était une mauvaise idée et que je savais déjà qu'il y aurait une date butoir et que j'allais devoir le quitter et que j'allais être dans cette situation inconfortable. Enfin...